Bonjour à tous. Juste derrière moi, ici, le thème de cette vidéo. Puisqu'en ce début d'automne, l'un de mes amis m'a demandé quand ramasser les courges. C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Alors ça dépend ce que vous voulez faire à l'image ici de cette trompette d'Albenga. Donc, qui était courgette et aujourd'hui qui est devenue courge, juste magnifique. Et donc, je vous propose, c'est de faire un petit jeu. Je vais vous montrer plusieurs courges et vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que je peux les ramasser si je veux les conserver? Alors, exemple numéro 1. Et cette butternut, est-ce que je peux la prendre ou pas pour la conserver? Alors, autre exemple donc de mon arbre à courge. Ici, alors cette courge-là, est-ce que je peux la prendre ou pas? Autre exemple, la fameuse trompette d'Albenga, devenue courge, est-ce que je peux la prendre ou pas? Alors, autre courge, et celle-là, est-ce qu'on peut la cueillir maintenant? Donc, merci de vos réponses dans les remarques de la vidéo. Alors, regardez, c'est juste incroyable, cette courge qui est montée dans le cerisier et qui nous a fait des fruits magnifiques. Alors voilà, c'est sur cette image que je vous propose d'arrêter la vidéo et puis me dire laquelle des courges je peux la ramasser pour la conserver pour cet hiver. Voilà, c'est bon, vous avez eu le temps d'arrêter la vidéo. Alors, la réponse, c'est pour conserver une courge, il faut qu'on la reconnaît par rapport aux feuilles qui ont déjà séché. Il faut que le pédoncule, ici, ait séché. Tant que c'est pas fait, la courge, il faudra la consommer rapidement. Donc, sinon, elle va moisir. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt.